Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5, le jour 5 de notre survie sur les aventuriers des perdus, ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va super, donc aujourd'hui on a décidé que tu allais travailler, moi je vais rester sur ma petite bûche. Allez, bonne chance! Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que t'es en plein rêve là, d'ailleurs tu peux refaire l'épisode, hein, t'es en plein rêve là. Oh. Non. Oh, t'as vu, je suis déjà en Earthstroke. Oh, il fait chaud. T'as chaud déjà toi? Mais toi t'es mal barré, hein. Je sens que aujourd'hui. J'ai toujours chaud moi. Tu es interdit de saut de lave. Voilà, tu ne touches plus au saut de lave, c'est dangereux. Saut de lave. Ah mais c'est peut-être parce que j'en ai un dans la poche aussi. Ah tu crois? Je sais pas. Range si le. Range le saut de lave. On ne sait mais jamais. Mais attends. Quoi? Ouais. Je crois que c'est ça. Mais oui, tu parce te ramales avec. Un saut de lave dans la poche. Tu te ramales avec un saut de lave dans la poche, toi. T'es un peu foufou aussi. Ah ouais, non, mais je pensais pas que c'était réaliste à ce point-là. Bon, alors, annonce-nous les plans que nous allons effectuer aujourd'hui. Eh ben, justement, aujourd'hui, on va essayer de se protéger un peu plus de tous ces contretemps plus ou moins naturels, puisque. On était donc dans les grottes hein, dans l'épisode précédent. Bon, on a un petit peu galéré, mais finalement, on s'en est sorti. On a récupéré une émeraude, quelques trucs. Le souci étant que, du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques crafts quand même qui pourraient nous servir. Pour explorer les grottes. Notamment, qu'est-ce qu'on a? On avait un masque à gaz qui nous permettrait de ne pas souffrir du gaz, tout simplement, hein, dans les grottes, de la mauvaise qualité de l'air. Je vais baisser un petit peu le son. On avait le masque à gaz, on a lu encore quelques petites choses par rapport à ce que nous avait dit, etc. Attends, j'ai déjà d'une, c'est quoi, de mon côté, enfin, je sais pas si ça va être pareil, je vais essayer d'enlever les shaders pendant les grottes. Bon, j'ai voulu la faire un peu RP, bon, au final... Voilà. Ah, vous aimez pas le RP, bah c'est tout. Ah bah écoute, si c'est un peu sombre, je comprends qu'ils aient, d'accord, aient pas forcément aimé. D'accord, du coup, il y aura pas des shaders dans les grottes, voilà, mais sinon, après, on a lu un peu sur les trucs, il faut bien que je boive de l'eau. Après, est-ce que le coup de le saut de lave, ça, il l'avait pas dit, par contre, sur le site? Non, et bah tu vois, on découvre. Mais c'est bien, c'est de la survie, c'est de la survie en temps réel. Est-ce que tu veux qu'on aille dormir ou pas? Déjà, je prends un tout petit peu de nourriture, la vache, là, on va la laisser en vie. On va dormir. On va dormir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va dormir, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il faut pour crafter chaque machin. Voilà. C'est ça. Parce que là, sinon, ça va spawn. Ça va spawn en masse, les loups-garous et tout ça, là, ouais, non, c'est pas une bonne idée. Sinon, après, les mobs. On va vite dormir. Je vais juste regarder. Jour 2 de péremption. Ah si, je suis en train de dormir. J'arrive. Oh, pardon, je te marchais dessus. Ouais, bah oui, bah je l'ai senti. Ah, ma jambe. Alors. Et après, on va aller vider cette grotte infernale. Et bah oui, parce qu'il y a quand même des diamants dedans. Oui. Ça, moi, ça peut nous servir. Alors, attends. Les crafts. Moi, ce qui m'intéresserait de faire, du coup, c'est le respirator. Et pour ça, il nous faut donc ceci. Des air filters et... Il me faut 2 laines, 4 laines. Non, ça me fait 4. Ah oui, tu parles de ça. D'accord. Il me faut un petit peu de fer. Est-ce que j'en ai? Il faut du fer, il faut un. Ouais, l'air filter. Wow, il en faut beaucoup, hein. Est-ce que t'en as du fer, toi? Bah, déjà, moi, mon fer, je vais le garder parce que j'aimerais bien au moins faire mon full stuff. Ouais. Il n'est pas mon cas. Là, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, moi, le respirateur, il faut 12 fer. 12 fer et les laines, je les ai déjà. C'est de la laine, ça? 12 fer. C'est beaucoup. Ouais, 12 fer. Je vais mettre ça là. Hop, comme ça. J'ai même une selle. Ah ouais, j'avais des graines de pastèque. Ouais. Pour les faire pousser ces trucs-là. Ça peut être cool, ça. Ça peut être cool, les petites graines de pastèque. Est-ce que je prends ça avec moi, la nourriture là? Ouais, allez, on va prendre ça avec Attends, nous. Hop, je vais faire une. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est comme ce que tu as dit, c'est qu'on va essayer de trouver les 12 fer. Donc on va aller au niveau de la grotte. Bah, 12 fer, même plus que ça, hein, même pour mon stuff. Bah oui, mais en tout cas, on va essayer de faire un respirateur au moins. À côté, il y a un autre truc qui peut être intéressant, mais un peu moins déjà. C'est un casque. Casque de mineur. Ouais. Le hard hat. Ouais, mais bon, après, du coup, tu vas remplacer ton respirateur par ça. Donc, Ouais, mais ouais, voilà. Bon, je vais quand même prendre des colorants jaunes, on essaiera de le fabriquer quand même. Ça roule. Hop. Direction la grotte. Deux. Attends, il manque deux colorants jaunes et j'arrive. Ah oui, bah il y en a là. Il y en a. Est-ce que ça se Même vers la direction des grottes, ouais, on avait c'est pas bon, mal. C'est bon, ça marche. Allez, j'arrive, direction la grotte. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille chercher, moi, de mon côté, une redstone lampe, du coup, pour crafter ceci? Tu te souviens, au phare, il y avait une redstone lampe. Enfin, c'était des redstone lampes. Bah ouais, du coup. Bah, je vais aller chercher ça, avec mon petit bateau. Vas-y. Je te laisse commencer un petit peu l'exploration de la grotte. Bah moi, je vais aller vite fait faire un tour dans la grotte. Aïe. Du coup, ça sert à rien qu'on aille à deux sur le phare. Et je vais enlever les shaders. Pour aller dans cette grotte. Ah là, je crois pas que je. Ah bah si je peux.
Ça fait bizarre, effectivement, là, d'un coup, c'est lumineux. Ah, les shaders sont magnifiques. Cette île est quand même très très belle, hein. Pourtant, c'est une vieille carte, en soi. C'est une vieille carte, ouais. Mais une vieille île, on va dire, si on veut rester RP. Oh. Mais elle reste très belle. Et bon, alors, je suis dans la grotte. Ok, est-ce que tu te souviens un petit peu de ce que j'avais lu dans l'épisode précédent? J'avais obtenu un livre, du coup, dans un coffre, et ça nous parlait du cœur de l'île et des scientifiques qui étaient ici auparavant. Exact. Okay, j'ai cassé mon bateau, c'est pas grave. Donc il faudrait qu'on trouve, justement, peut-être dans la grotte où tu es actuellement, un interrupteur ou quelque chose qui nous permettrait d'atteindre le cœur de l'île et de pouvoir l'éteindre, le désactiver. J'espère que c'était pas le fameux bouton où t'as appuyé la fois dernière et que Non, ça c'était un levier. Non, je pense pas que ce soit ça. Ça m'étonne. Ah, ça serait bête là. Ah, ça serait carrément bête. Bah, je pourrais. Non, mais non. Par contre, j'ai re-regardé la vidéo le moment où on explose. Et derrière moi, il y avait un coffre que j'avais pas ouvert. Et il y avait peut-être une émeraude dedans. Et il y avait peut-être une émeraude. Parce que là, on en a que 3. C'est même sûr. Ou 4. Non, on en a que 3. On en a que 3 pour l'instant. Mais en soi, ouais. J'en ai raté. C'est carrément faisable hein, ce que tu dis. Hein. Voilà. Alors, j'ai récupéré ma redstone lamp. Moi j'ai récupéré mes bottes en fer sur le squelette qui m'avait tué. J'ai envie de tenter un truc mais si je rate... Allez faut essayer un petit peu. T'as envie de faire un suicide. Ah le diams. Hop là. C'est bon. Gravier. Hop. Moi je vais récupérer le minerai de fer. Attends du coup t'as du diamant là c'est bon tu peux le ramasser? Ouais il est loin mais... Ouais il est loin hein. On est d'accord. Oh oh. Faut que je boive un petit peu. Oh y'a un trou. What the fuck. Est-ce que c'était fait exprès depuis le début? Ah non. Après, c'est moi qui ai creusé dans le mur aussi, peut-être. Ouais, je crois ah, que bah là, il y a du fer, là. Ouais, il est peut-être un peu dur d'accès. Je te rejoins. T'as eu combien de fer? Pour l'instant, j'en ai que 3. Hein. Ouais, que 3. Peut-être que je vais devoir aller en prendre un peu ici. Bon, je te rejoins. On va l'explorer. Moi, je reste au bord de la lave. Hein, parce que... Ouais, j'ai cassé mon bateau, par contre. Ah non, alors on m'a dit d'arrêter de faire des tables de craft parce que j'avais... Tiens, tu vois, je te l'avais dit. Le petit, comment ça s'appelle, le knife, le couteau suisse. Oui, mais il y a plein de gens qui m'ont dit dans les commentaires d'arrêter. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire des tables de craft tout le temps. Ah, le couteau suisse, je te l'ai dit, en plus, c'est vachement... Ah, c'est pratique, hein, très très pratique. On est d'accord là-dessus. Bon, j'essaie de pas casser mon bateau, j'arrive, là, je suis à l'extérieur. Il y a un squelette ici, on est d'accord. C'est quand même mal fichu, le coup des bateaux. Tu sors du bateau, tu rentres dans ton bateau et... Bah, c'est trop bizarre. Du coup, il explose à chaque fois. Alors, il y a du diam, s'il y en a beaucoup même. J'en veux. Il y en a beaucoup, et ça va côté qualité de l'air là, tu t'en sors? Ça va. Je suis pas trop proche de la lave donc. Mais je crois que franchement. Ah, mais il y a du fer là. Le. 8. Du diamant! Ça avait vraiment un effet sur moi. De un quoi effet donc? Néfaste. Qui? Le saut de lave sur moi. Bah, sûrement, ouais. T'es abusé quand même. Enfin, ouh. Quel réalisme! Alors, explorons un peu. Du fer là-haut. Plus calmement cette grotte, je pense qu'on peut le dire. Oh! Je t'entends, mais je sais pas trop où tu es, mais je t'entends. Voilà. Ok, là y avait rien. Aïe! Oh, j'entends le bruit des grottes. Salut! Voilà. Salut monsieur, c'est bon, y'a plus rien. Plus rien ici? Je crois bien. Attends. Alors, waouh, quelle puissance dans les bras. Tu as vu, hein. J'ai fait des pompes, hein, ce matin. Ce que je voulais voir... Ouais, je vais pas rester ici trop longtemps. Côté qualité de l'air, bon, ça va, ça descend pas trop vite. Voilà, moi, c'est ma qualité que je surveille, en fait. La redstone, ça sert à rien de la prendre, hein. J'en ai déjà un stack. Bon, j'en prends un petit peu sur moi. Oh, je suis retombé dans l'eau. Du coup... Allez. J'avais dit qu'il me fallait... il me fallait 4... 12 sphères, je crois que j'avais dit. Oh, t'as fait un trou là direct. 12 sphères. Ouais. Ah, j'en ai 11. Ah bah bien, c'est bon. Parce que moi j'en ai 800. Mais... Il me faudrait mon... Et après tu me donneras le reste pour moi. Pour mon stuff. Ok. Faut que je me fasse au moins une jambière parce que je comprends pas comment je prends cher. Moi je vais explorer quand même rapidement le donjon. Ouais vas-y ouais parce que c'est vrai qu'on n'y a pas... Attendez, on va aller faire un petit tour. Bah, ah mais y'a un bouton là, y'a un bouton là. Attends, y'a du fer, j'arrive. Y'a un bouton. Sérieux? Oui y'a un bouton mais j'ose pas appuyer parce que quand j'appuie sur les boutons mais ça explose. Et là t'es dans le donjon là? Ouais là je suis dans le donjon. En effet. Je suis en train de faire un accès. Oh bah tiens, je trouve du fer en faisant un accès. Cool. On le prend après. Le ah, il me faut un charbon. Attends, j'ai oublié un charbon. Attends, je vais juste prendre un charbon. J'arrive. Bah, tu en veux un là, j'en ai. Ouais, vas-y. Attends, oh, il y a même du fer. Ah, oh, c'est cool. Un petit charbon. Tiens. Oula, attends, mon pain est bientôt périmé. Voilà. Merci. Charbon. Pourquoi tu voulais un charbon au fait? Pour me crafter les air filters. Hop. D'ailleurs, moi je suis bientôt à la moitié de mon oxygène. Ça marche pas, c'est pas ça? Oula, attends, faut que j'envoie le craft.
C'est pas du charbon, hein. Ah si, le Halfiter, il faut. Non, c'est du charbon de bois. Ah, charcoal, ouais. Et oui, et oui. C'est différent. Et ben, on le fera à la surface dans ce cas-là. Voilà. Et bien, appuyons sur ce bouton. J'ai peur. Attends. Chaque fois que t'appuies sur un bouton, il y a toujours tout qui pète. Je vais boire un peu d'eau, on sait jamais ce qui peut se passer. C'est parti. T'as raison. What the f. Wow. T'as entendu que moi un système d'ouverture? Ouais, le piston. Ouais. J'entends. Attends, un bruit bizarre, mais. Un bruit de porte, un bruit d'ouverture. Bah ouais, mais c'est où? Et puis ça se referme directement après. Au pire, on casse le système derrière. Bon, on attends, verra, on va essayer de trouver comment ça marche quand même. Comme tu veux, hein. Mais faut que je remonte à la surface. On est pour 2 secondes. Casse-moi ça. Ah non, tu passes devant toi. Voilà. C'est bizarre. Effectivement, il y a rien au-dessus. Hop, je vais aller chercher de l'air. Bizarre, 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 bizarre. De l'air, vite. Bon, voilà. je sais pas exactement ce que ça ouvre. C'est un peu étrange cette histoire. Oups, c'est pas fait revu ça. C'est bon, j'ai mon air qui remonte. Allez, je remonte aussi du coup. Pour prendre de l'air. C'est assez mystérieux. Bah ouais. Et pour aller crafter le charcoal. Ok. Moi je retourne dans la grotte. Bah essaie de trouver le système, essaie de comprendre, ouais, si tu veux. J'allais me faire moi, le charcoal. Moi je vais te le comprendre, tu vas voir moi. Bah vas-y, mais c'est bizarre ce bouton, c'est bizarre. Tu vas voir, moi je vais te casser le truc derrière, je vais chercher. Oh, casse pas tout, casse pas tout. Alors. On s'en sortira mieux avec ce masque à gaz là. C'est vrai qu'en bas on peut pas rester très longtemps du coup. Imagine dans le Nether. Dans le Nether quoi? Bah imagine comment tu dois en avoir trop besoin de ce truc là. Ah ouais, sûrement ouais. Bah je sais pas. Comme c'est une dimension différente. Hop. Alors ça a bien un rapport avec un truc ici. Alors j'aurais dû déposer mon émeraude mais c'est pas grave. Ah mais y'a tout qui s'écroule à chaque fois qu'on casse un truc ici. Y'a toujours tout qui s'écroule ici. De quoi? Qu'est-ce qui s'écroule encore? Qu'est-ce que t'as fait s'écrouler? Ah, il y a du gravier. Donc là, il va me falloir un peu plus de fer. C'est toi qui le reste du fer, du coup? Hop, ouais. J'ai pas mal de fer, j'en ai 20. Ouais, il m'en faut 10. Même pas, un petit peu moins en vrai, mais j'en veux bien une petite dizaine. Oh. Qu'est-ce que c'est? Bon. C'est moi, c'est le minoy, en fait. Parce qu'en fait, le quand j'appuie dessus, oui. Le bruit vient de là. Regarde. Toi là. Ça vient d'en face, ouais, ça vient ouais, d'en face. Là, ça vient de derrière en fait. Ouais, t'es obligé de creuser, à moins que ça soit une ouverture. Tu vois ce que je veux dire? Bah, à moins oui. Que ce soit une ouverture directement derrière, ouais, oui, en oui, dehors. Je comprends. Allez, vas-y, donne-moi le fer déjà. Le temps de trouver on la est solution. Trop profond. T'en faut combien? 6. 8. 6. 6. Dans un 6. 6. 6. Hop, ah, attends. Tiens! Merci. Voilà, on va essayer de. De résoudre cette énigme. Parce que moi, comme je t'ai dit, donc ça, c'est le bouton qui permet de faire quelque chose au niveau du cœur, du réacteur. mais quoi? Tu crois? Mais quoi? Vas-y, creuse. Normalement, on devrait avoir un texte, on devrait avoir quelque chose. Creuse. Moi, je dis creuse, hein. On creuse. Attends. On va casser là. Tant mieux. Parce que là, on va avoir du gravier, là, tu vas t'embêter. Ah! D'accord. Donc là, au moins, on ne peut pas contourner. Il y aura de la bedrock. C'est protégé. C'est pas normal. C'est un système protégé. On dirait qu'il y a quelque chose. C'est le cœur de l'île, tu crois? Mais pourquoi donc? Est-ce que tu crois? Non, bah non, il n'y avait pas de commande bloc à cette époque. Ah, c'est juste derrière. C'est juste derrière. Tant de mystère. Je pense pas qu'on est censé faire ça. Jamais ça m'écroule dessus, je te jure. Alors, c'est comment déjà le masque à gaz? Ils ont bouché ici. What the fuck? Qu'est-ce que tu veux? Viens avec moi, viens attends, voir. Attends, j'arrive. Enfin, tire à voir, attends, je récupère mon fer. À mon avis, il doit y avoir une autre partie, un autre donjon dans le coin. Mais attends, c'est ah, pas possible. Ah mince, parce il faut de la vitre aussi. On a fait tout le truc. Moi, je galère à crafter mon casque juste là. Regarde bien,
Regarde, tu vois. Tu vois, en fait, regarde, ça va ouvrir. Normalement, ça nous vous ouvre, ce truc-là. Ouais. Attends, je vais l'activer. Tu me dis ce que ça fait, ok? Pourtant, c'est pas du sticky piston, hein, mais vas-y. Bah, ça a peut-être poussé. Oh. Ça l'a poussé, ouais, c'est ça. Oh, ça m'a carrément coupé le truc. Ah, mais c'est génial, un système qui nous permet de nous débarrasser de Furious. C'est cool, ça. T'appuies sur le bouton, boum, le jeu, quoi. Il disparaît. Très bien, très bien. Y'a Chris machin. Très, très bien. Oh my god. Alors, ça a en effet fait avancer un bout de bloc qui nous servirait peut-être dans un potentiel donjon que l'on croisera par la suite, je sais pas. Je sais pas. J'arrive, hein. Oui, je vois ça. Écoute, j'en profite pour je remonte à la surface, moi. Vas-y, vas-y. Je vais aller me chercher ma petite vitre. C'est étrange, c'est vrai que c'est étrange, quand même. C'est mystérieux, je dirais même. Ouais, trop mystérieux. Hop. Allez, te revoilà. Voilà, re ! Donc, il y a eu un petit bug. Je ne sais pas, on a activé le piston. Bon, voilà, j'active. Je touche plus à ce bouton, c'est mort. Non, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut trouver le... On va à la surface, moi. Où est mon bloc de sable ? Moi, je dis, on va à la surface. Attends, c'est quoi cette arnaque, là ? J'ai cassé deux blocs de sable et j'ai rien ramassé. What ? Ils sont là. Ah ben bravo, hein. Ben bravo, c'est pas possible, ça. Hop, hop. Ils étaient partis en vacances. J'arrive ! Allez, viens, t'as repris ce que tu faisais chauffer ? Ouais, 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 bien sûr. Ok. Bon, bah, c'est très bizarre. Je ne sais pas ce que ça fait. Bon, au moins, on a appuyé sur un truc, donc peut-être ça, le cœur de l'île, là, il va mieux. Hein. Bah, je sais pas. C'est, à mon avis, ouais, c'est peut-être un passage pour le cœur de l'île. Tu crois ? Ouais, c'est possible. Hop. Enfin, je vais remplir mes bouteilles. De toute manière, on remonte, on cherchera d'autres grottes et d'autres donjons. Parce qu'il y a sûrement au moins une autre, au moins un autre donjon. C'est trop et étrange. À partir de là, on comprendra peut-être ce qui s'est passé, quoi. Ok, il fait nuit. C'est pareil, je laisse les shaders enlever pour la nuit. Alors, on va rentrer chez nous du coup. Ouais. On va terminer de crafter les 2-3 trucs. Ça me attention. Quand même, toute cette histoire. Attention, une araignée. On trouvera, on comprendra bien ce qui se passe. Tu sais, j'ai essayé de regarder là, mais non, il y a rien à faire. Peut-être dans la montagne, il y a quelque chose dans la montagne. Beaucoup d'abonnés nous ont dit d'aller voir un peu. Ouais, bien sûr. Ce qui pourrait s'y cacher. Bah, la montagne, oui, il y a un truc tout là-haut. Je l'ai vu dès qu'on a commencé tout au début. Mais déjà, il y a de la neige. Et tu sais que ça peut être utile pour se refroidir au besoin, faire des boissons. Pour des se refroidir. Voilà, un zombie poulet de la mort. Un zombie poulet de la mort. Attention, creeper. Oh là là, ça va être la guerre. Non, moi je vais en rentrer. Non, attention. Oh là là. Ça pète! Ça craint! De la guerre! Vite! Allez, on rentre, t'as raison. Eh voilà, ça y est. Plus de squelette. J'arrive! On va se coucher. Faudrait mettre une porte ici. Oui, à chaque fois, c'est on a embêté, les zombies ils viennent dormir. Ouh, tu c'est as des flèches dans les pattes. Ça fait pas trop mal? Non, ça va. Alors écoute. J'adore. Moi je dis, faudrait qu'on se balade dans la jungle aussi. Eh ben, de toute façon, oui, il y a encore une petite partie de l'île qu'on n'a pas vraiment explorée. Oh, oui. Donc la montagne en fait partie, bien sûr. The Shadows. Qu'est-ce que je peux faire exactement là ? Du coup, moi, je vais faire rapidement... Hop. Je termine mon truc pour respirer, là, que j'essaie de fabriquer depuis le début de l'épisode, j'essaie de le fabriquer. Ouais, non, mais il nous le veut, ce truc. T'as envie de voir ce que ça fait sur la tête, hein, c'est ça ? Ouais, mais puis ça me servira tout de Mais il te faut de la laine, il te faut du charbon de bois. Tu en as fait du charbon de bois ? Non, mais j'ai tout ce qu'il faut maintenant. Ah, bah tu vois. J'ai tout ce qu'il me faut. Bah, tu vois, c'est parfait. Il fallait juste des glass pan et je sais plus si c'est 3 ou 6. C'est 6. Hop. Il en manque encore 2, c'est en train de chauffer. Moi, pendant ce temps, je peux faire une espèce de. Une petite porte. La nourriture là, on va la conserver dans les coffres. J'ai remarqué également qu'il y avait des petits frigos ou des glacières, appelez ça comme vous voulez, pour conserver un peu plus longtemps la nourriture. C'est cool ça. Il faut des blocs de neige pour faire ça. Et du lapis, on en a pas encore par contre. Il y en a pas beaucoup encore des blocs de neige. Bah il y en a en haut de la montagne, on peut faire des blocs avec ce qu'il y a sur la montagne. Ouais. Allez, ça y est, moi je peux enfin fabriquer ce que je voulais. Bon, c'est un peu moche, mais bon, en même temps, c'est pas là pour être beau.
Ça y est, je l'ai. Ah bah voilà. Casser ça, wouh, ça c'est chiant. Ouais. C'est énorme. Tu vois? Oh, oh, t'as une tête. Vas-y, prête pour voir ce que ça fait. Ça te fait un effet et tout sur la tête. Ah, ça fait le bruit et tout. J'allais mimer le bruit, mais ça le fait vraiment. Vas-y, fais voir. Tiens, vas-y. Non, ça c'est génial. Par contre, il y a une qualité des filtres. Oh. Alors, qu'en penses-tu? Ah ouais. Ah mais c'est le bruit de Dark Vador. Bah ouais, un petit peu, ouais. Oh, c'est génial. Ah ouais, je confirme. Tiens. Voilà. Ah, mais il m'en faudra un aussi. Ok. Ah. Ah, c'est sûr, c'est plus pareil, là, avec mon... Avec il faut que je casse, pas casser. Attends, j'essaie de crafter aussi... Dans des lions yellow. Bah moi j'aimerais bien c'est faire le backpack, mais comme on avait déjà dit qu'on n'avait pas de... Ah non, faut une enclume ça. Pour réparer un stuff abîmé, faut une enclume, hein, on est d'accord. Faut une enclume, ouais. Ouais. Une araignée qui est là. Eh bah il me faudra un petit peu plus de fer, je pourrais tester de fabriquer autre chose aussi. Qu'est-ce que tu étais en train de dire toi? Super. Que je voudrais bien me faire un backpack. Un backpack. Un petit backpack. Et ça, il nous faut, eh bah, du canvas. Ouais, mais on peut pas en avoir, donc on échangera de la canne à sucre à la place du canvas et on skivera le truc. Alors ouais, tu es là. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Moi, j'ai pas mal de nourriture, si on veut repartir explorer, on peut. Eh ben on y va. La jungle, on n'a pas vu. Bah non, attends, ça va être la fin de l'épisode. Ah bon, on ira la prochaine fois alors. Mais le haut de la montagne ou dans la montagne, on l'a pas fait non plus. Et la jungle. Mais ouais. L'accès à la montagne, on y va de ce côté-là, je crois. Côté droit. Attends, on va essayer juste de regarder. Vas-y, on essaie de voir ça je rapidement. Crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est... C'est moi qui avais miné quelque chose. Oui, c'est nous qui avons miné ces choses-là. Il faudrait qu'on essaie d'y monter à cette montagne. Il y a un mouton. Un mouton alpiniste. Moi je dis, il faudrait qu'on essaie d'y monter. Depuis le bateau, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Écoute, on va se laisser là pour l'instant. On va essayer de réfléchir un petit peu à ça. Du coup, on a nos objectifs pour les prochains épisodes. De toute façon, il y a encore... Imaginons qu'on ait trouvé 4 émeraudes et non 3... En imaginant que le coffre qui a explosé possédait une émeraude. Et on a encore 4, je crois qu'il en faut 8 au total, à trouver. Et on est à peu près sûr qu'il y a un autre donjon qu'on essaie de trouver à la réglo derrière le bouton qu'on a déjà croisé. Ouais. Donc on va essayer de trouver ceci aussi. Ouais, c'est sûr, mais je sais pas comment on y... On ne sait pas, c'est très mystérieux. Du coup, je vous laisse avec mon petit casque de Dark Vador et on vous retrouve rapidement pour la suite de cette aventure. Ciao, ciao. Salut les amis,